Bonjour et heureux de vous recevoir et ensemble de méditer cette œuvre du siècle d'or espagnol. Je disais à Cécilia Gouguillon, qui est responsable de la communication, et à ma collaboratrice, je les remercie, voilà, à la technique. Nous avons Cécilia et Françoise Darboumont. Je les remercie parce que, voilà, elles nous aident à nous rejoindre de ces méditations qui ont été annulées, mais que vous pouvez retrouver donc grâce aux nouvelles technologies. Alors avons été accueillis par Mozart devant cette œuvre qui se trouve au musée du Prado, qui est immense, hein, qui fait plus de 3 mètres sur 2 mètres, donc très très grande œuvre. Et donc c'est l'Agnus Dei, vous voyez qu'il y a un agneau, on va en parler, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. C'est l'Agnus Dei de la messe du couronnement de Mozart. Un Mozart d'une trentaine d'années aussi, quand il compose ce chef-d'œuvre. Et également ce peintre qui a juste 30 ans, quand il a cette commande extraordinaire, Juan Batista Meno. Donc, un Castillan, Espagne du Nord. Et puis, donc, ce jeune peintre qui commence à exercer ses pinceaux, alors pas avec n'importe quel grand artiste, avec le El Greco, Dominikos Theotokopoulos, qui est en train de voir ses grands succès à Tolède. Il le rencontre à Tolède, il va commencer à s'initier avec un des plus grands maîtres de la peinture occidentale, et puis il va partir vers l'âge de 20, 22 ans, 23 ans, à Rome, où il va être saisi par la modernité de Michelangelo Merisi, dit le Caravage, et va recevoir cette inspiration de ces clairs-obscurs et d'une théologie très vivante, d'une théologie qui ramène le ciel sur la terre avec des saints, avec des saintes, avec une Vierge Marie, des saints Joseph, comme les gens du peuple, donc une grande nouveauté. Et il est aussi un peu compagnon de ces nuits. On sait que la vie du Caravage est aussi célèbre, mais malheureusement trop par ces nuits romaines, et où il se bat beaucoup, ça va d'ailleurs mal finir un jour, et Jean-Baptiste Meino a probablement participé à ces dérives nocturnes. Il rentre dans son pays, il arrive avec tout l'art, donc il a appris donc chez le Greco en quittant Tolède, il rentre à Tolède, il a reçu beaucoup en travaillant avec le Caravage, et dans cette vie un peu assez dissolue, il a une commande prestigieuse pour un jeune peintre de 30 ans, qui a encore rien fait de marquant. C'est un dominicain, un couvent qui, à Tolède, lui commande 4 tableaux, dont cette adoration des bergers, et que l'on peut donc, je vous disais, contempler au Prado, et puis de la même dimension, avec autant de joie, l'adoration des mages. Et c'est en fréquentant ce couvent, la paix de ce couvent, ses frères dominicains, ses frères prêcheurs, de vivre dans le climat de la parole. Il est très conseillé par les théologiens que sont tous les dominicains, et il rentre dans l'intelligence de l'écriture, il rentre dans l'intelligence de la parole de Dieu. Il retrouve la paix en vivant au milieu d'eux pour réaliser ses chefs-d'œuvre. Il va réaliser les 4. Et un jour qu'il retouchait justement celui-là, et à fréquenter les amis du bon Dieu, c'est toujours risqué, il a vraiment une extase, ce qu'on appelle une rencontre intérieure avec Jésus de Nazareth, et il tombe inanimé, panique à bord, il tombe devant son chef-d'œuvre, tellement il est saisi de la présence, de la tendresse de Dieu, et à travers Saint Joseph, à travers la Vierge Marie. Et quelques mois plus tard, il se préparera à devenir un frère dominicain. Et quand il aura achevé ses tableaux, eh bien, il doit continuer sa vie jusqu'à à peu près l'âge de 60 ans, donc encore une trentaine d'années, à peindre pour l'ordre dominicain et à réaliser ses tableaux extraordinaires. Donc, venons-en donc à ce tableau, bien sûr inspiré de Saint-Luc, la Nativité, et particulièrement le passage où les anges sont allés chercher ces exclus, ces gens mal vus, ces gens qui sentent mauvais, on n'aime pas les voir à la synagogue, ils sentent le mouton, ils sentent la chèvre, et ben Dieu va les chercher comme les premiers invités à la naissance de son fils. Alors c'est là où nous le rechanterons à Noël, les anges dans nos campagnes.
Et ce que ne dit pas le texte, c'est que le texte dit que les anges sont remontés au ciel et que les bergers sont venus à Bethléem voir ce qui était arrivé, quel était ce sauveur qui venait de naître et que l'on découvrirait dans une mangeoire. Donc tous les signes de la vulnérabilité, de la petitesse. Il vous est né un sauveur. À ces signes, vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant déposé dans une mangeoire enveloppée de l'ange. Donc vraiment, le contraire de tout ce qui est nos symboles de force, de violence, de puissance. Et ces bergers, bien déjà, se sentent à l'unisson avec ce Dieu qui se révèle par ses anges et vont à la crèche. Alors, le peintre a choisi, ce qui est souvent le cas, de manifester la présence des anges. Vous avez donc deux anges assez graves et puis un très souriant qui est juste là et qui se réjouit de ce temps d'adoration. Alors, on va regarder quelques détails pour... voir, alors là on est quand même dans une expression de grande joie, et moi ce qui m'avait saisi au début, c'est véritablement cette tendresse de Joseph qui, à la suite du concile de Trente, cette réforme catholique qui a lieu au XVIe siècle pour signifier nos différences et nos particularités avec la nouvelle église chrétienne protestante, il y a donc un concile qui dure près de 18 ans où on redit le rôle important des images comme images confessantes et pouvant soutenir et enseigner aussi, ce sont de véritables homélies, la parole de Dieu. Elles naissent de la parole de Dieu, elles y renvoient avec cette particularité que Saint Joseph, particulièrement chez les peintres espagnols, à partir de cette fin 16e siècle, début 17e, va véritablement rajeunir pour présenter un bel époux, un jeune époux, dans toute la vigueur de l'âge, cet époux virginal de Marie, cet époux plein de tendresse, dans ce geste incroyable. C'est très rare que nous avons, avec les Espagnols, on va s'approcher, les Joseph vont s'approcher de Jésus, mais on a quelques tableaux, notamment celui-ci, où vous avez cette manifestation, et Marie qui est en contemplation. Je vous lis Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, c'est un des très rares saints qui avait une grande dévotion envers Saint Joseph. Il faut attendre le XVIe siècle, et particulièrement Thérèse d'Avila, contre la réforme catholique, pour trouver un Joseph qui soit véritablement un père, et un père nourricier, et un père de tendresse. Je vous lis ce que disait Bernard de Clairvaux dans une homélie, au XIIe siècle, il avait juste 28 ans. Celui que de nombreux rois et prophètes ont désiré voir et n'ont pas vu, qu'ils ont désiré écouter et qu'ils n'ont pas entendu, il fut donné à Joseph non seulement de le voir et de l'entendre, l'entendre pleurer comme tout enfant des hommes, de l'entendre, mais encore de le porter, de guider ses pas, de le prendre dans ses bras, de le couvrir de baisers, de lui donner à manger et de veiller sur lui. Voilà, donc si l'Église d'Orient a toujours une piété, une dévotion envers Saint Joseph, c'est très tardif, 16e siècle, on va dire vraiment, ça commence à se dire, à se confesser, et apparaissent les premiers monastères en Espagne, de Thérèse d'Avila, qui va confier son premier monastère à Saint Joseph. C'est le premier lieu de culte, de prière, dédié à Saint Joseph depuis la naissance du Christ. Bon, après on s'est un peu rattrapé, mais je vous dis, va fleurir des œuvres d'art, va fleurir des couvents qui lui sont dédiés, des églises, des chapelles, mais jusqu'à maintenant c'est vraiment le grand oublié de tous les saints, et on ne connaît pas dans l'Église des saints qui furent si oubliés et qui vont connaître un renouveau dans la dévotion aussi extraordinaire. Donc ce geste de toute tendresse, le geste d'un père, se redire, bien, c'est dans cette paternité humaine que Jésus aussi, ce Joseph qu'il appelait aussi papa, selon la Vierge Marie, voit ton père et moi, nous te cherchons tout angoissé, quand il fait cette fugue spirituelle à l'âge de 12 ans, voit ton père et moi, on te cherche. Elle dit pas mon mari, elle dit pas ton père adoptif, elle dit voilà, ton père. Il a vraiment vécu, il lui a transmis la judéité, il l'a fait rentrer dans la tribu de David, il lui a transmis son métier. On sait par Saint Marc que Jésus était charpentier, artisan, comme l'est Saint Joseph. Il a tout reçu de lui, de son âme, sans que ça passe par la chair. C'est le cœur invisible qui est le plus important, vous le savez, d'autres l'ont dit avant moi. Donc une tendresse très émouvante,
Et on va regarder donc maintenant davantage donc ce couple avec l'âne et le bœuf qu'on retrouve dans la tradition iconographique. Alors, ils ne sont pas dans les évangiles, hein, sauf dans des évangiles apocryphes, des évangiles qui n'ont pas été retenus par l'Église parce qu'elle ne les a pas jugés suffisamment inspirés. Mais il y a bien question d'un âne, hein, chez ces premiers chrétiens, et même d'un bœuf avec un côté très pratique où Joseph dit à Marie, bah, si on a besoin d'argent, on pourra toujours le vendre. Hein, on écrivait ça au deuxième siècle, je me disais, ben voilà, les gens étaient vraiment bien concrets. Alors, plus biblique, de façon plus biblique, c'est le chapitre 1 d'Isaïe, qui explique la présence de l'âne et du bœuf. Le chapitre 1 d'Isaïe qui dit un cri de Dieu envers son peuple, peuple d'Israël, qui lui dit, mais l'âne et le bœuf reconnaissent leur maître. Et on voit bien quand on arrive dans une étable, quand c'est l'heure de la soupe, hein, les animaux qui ont une familiarité avec le paysan, eh bien, ils ont ces signes de présence. C'est-à-dire, l'âne et le bœuf reconnaissent leur maître, mais toi, Israël, tu ne reconnais pas ton maître. Rome du 4e siècle, où un riche romain chrétien a fait représenter des scènes de l'évangile, notamment dans un angle du sarcophage, un âne et un bœuf. Dans cette vision donnée par, enfin cette image douloureuse donnée par le prophète Isaïe. Nous continuons. Alors, en même temps, donc, de la joie, un ange qui nous sourit, deux autres plus retenus, la tendresse de Joseph, de Marie, ce berger qu'on a vu à côté qui apporte sa petite chèvre, émerveillé, ils sont dans la contemplation. Néanmoins, on peut quand même être très étonné, regardez-moi ça, la tristesse de ces deux bergers. Hein, et ça, c'est pas ce qu'on voit d'abord. On voit d'abord, c'est vrai, le geste de tendresse de Joseph, la contemplation de Marie contemplant son époux, embrassant le Fils de Dieu, et puis ce berger qui apporte, qui offre la chèvre. Là, on a donc ces bergers, alors souvent bien sûr les moutons, mais détail, on n'est pas dans les moutons, dans les santons de Provence, les pattes sont liées. C'est pour ça que je vous ai fait écouter la News Dei. Celui que Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, va désigner, hein, au jour du baptême, au jour de la rencontre du Christ avec Jean le Baptiste, au chapitre 1 de l'évangile de Jean, hein, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau pascal, il annonce déjà, ça c'est très fréquent depuis le 4e, 5e siècle dans l'iconographie chrétienne, cette naissance est marquée par cette lutte déjà engagée dans l'incarnation à Bethléem du bien contre le mal. Il est né pour vaincre la mort, mais la mort ne va pas se laisser faire. La mort, le mal, ne va pas se laisser faire, et il devra subir lui-même la mort dans l'ignominie de la croix, hein, dont il va faire un arbre de vie, mais enfin qui était loin d'être un arbre de vie pour les milliers de gens qui ont été crucifiés. Donc, ce qui explique aussi ce très beau berger, très fort en puissance et très affaibli aussi par la tristesse, qui peut aussi évoquer le Christ qui va être dévêtu, le Christ en sa flagellation, et puis celui-ci qui joue de la flûte. Je ne pense pas que ça puisse être un air de flûte qui invite à beaucoup de joie. Il évoque davantage le constat de Jésus dans Saint Luc, dans un autre évangile aussi. Donc, ce berger avec son agneau, ce berger saisi de tristesse, ce berger déjà dévêtu qui peut, c'est une interprétation possible, évoquer le Christ dans sa souffrance, qui va être dévêtu, celui qui on va arracher la dévêture, les habits au pied de la croix. Et puis, donc ce jeune joueur très triste aussi, lui, un jour de naissance, un jour de joie, et qui évoque déjà, qui anticipe sur l'échec du Christ. Nous avons joué de la flûte, dit-il un jour, à ses auditeurs, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Hein, cette résistance à la bonne émotion, au salut qu'offre le Christ, lui qui est une bonne nouvelle, lui qui vient libérer de nos joues, c'est le texte d'aujourd'hui, qui vient libérer de tous nos carcans et toutes nos rigidités dans notre relation au Christ, eh bien, cette tristesse, il ira jusqu'au bout de la croix, mais on vous a joué de la musique, on vous a joué de la flûte, et puis vous n'en avez pas voulu. Vous avez préféré tout ce qu'il y a de plus austère, de plus dur, de plus raide, hein, dans la relation avec Dieu,
Et donc on entend le cri de douleur déjà qui est prononcé par ce berger, l'évocation de l'échec. Je vous dis, les nativités dès le 4e, 5e siècle sont déjà là à nous dire attention, c'est pas une naissance comme toutes les naissances. Cet enfant va provoquer une réaction du mal très violente, et déjà on la voit donc dans les œuvres d'art. Pour néanmoins, dans ces œuvres d'art, on ne nous laisse pas sans espérance, puisqu'il est né pour vaincre la mort, et vous avez déjà, c'est souvent une paysanne, une bergère qui l'offre à Jésus, un panier d'œufs. Et il était de tradition, mais ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle, d'offrir des œufs aux accouchés, parce que c'est plein de calories, et pour les aider à remonter de leur faiblesse après leur couche. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui sort si on le laisse couver d'un œuf? Au bout d'un certain nombre de jours, je ne sais plus combien, c'est un poussin. Hein, et les chrétiens ont vu dans cette symbolique, très tôt, le signe du Christ sortant au matin de Pâques de son tombeau en cassant la coquille. Hein, la pierre est roulée, ce symbole à la fois fécond de l'œuf et à la fois de ce Christ qui ne restera pas enfermé dans les tombeaux pour nous libérer de nos tombeaux. Donc un signe pascal très humble, comme au matin de Pâques, Marie-Madeleine va le prendre pour un jardinier, pour un esclave, dit le texte grec, hein, qui travaille dans les jardins. Donc il devait vraiment avoir une allure très très pauvre, enfin très humble. Et puis alors aussi, ça, ce clin d'œil, ça c'est une interprétation personnelle, mais je pense que comme il va rentrer dans l'ordre des dominicains, qu'il était en train de retravailler son tableau, notre Jean-Baptiste Meynaud, eh bien c'est la couleur de la vie des dominicains, le noir et le blanc. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un clin d'œil à ceux qui ont aidé Jean-Baptiste Meynaud, le peintre, les familiers de la parole de Dieu, à bâtir une œuvre d'art aussi magistrale pour servir la parole de Dieu. L'intérêt d'une peinture chrétienne, c'est quand on voit qu'elle est nourrie. Ah, et ça, c'est le génie des grands artistes. Ça a été toujours de travailler avec des biblistes, avec des prêtres, avec des théologiens, pour que la peinture soit le plus cohérente possible avec la révélation de Dieu. On a souvent aussi la présence de temples en ruine. C'est l'ancien temps, l'ancien monde s'en est allé. Et puis la construction aussi, à travers ces poutres, hein, de la crèche, qui dit aussi cette église qui va se construire et dont le corps sera le corps de cet enfant s'unissant à toutes les détresses, s'unissant à toutes les tristesses, tous les échecs, accueillant toutes les offrandes qui lui sont faites, particulièrement des plus pauvres, rappelons-nous le bol de la veuve, et surtout en ce temps de Noël, n'oublions pas, et je termine avec cette citation qui me parle tant de François d'Assise, donc un peu avant, donc au XIIe siècle, vous savez qu'il a relancé la crèche, elle n'existait pas, Noël était une fête très mineure presque, c'était vraiment la fête de Pâques, des fêtes mariales, mais là, et encore, mais c'était vraiment, Noël était une fête, voilà, mais il n'avait pas, c'est vraiment François d'Assise, 2 ans avant sa mort, qui va donner un éclat et une ferveur à cet événement de Noël en demandant la reconstitution d'une crèche. Alors lui, il avait pris un vrai âne, un vrai bœuf, des vrais moutons. Hein, et alors on disait à François, ses frères lui disaient, « Mais François, pourquoi tu aimes tant Noël ? C'est pas une fête des plus importantes. » Il avait cette réponse qui nous donne tout le sens de Noël pour nous les chrétiens et pour ceux qui sont en recherche d'espérance et combien j'en rencontre à l'hôpital. Cette réponse de cet homme qui était très malade, qui voyait aussi le déclin de sa vie tel qu'il était aujourd'hui dans son corps, et puis voyait l'aurore de Dieu dans cette vie de ces 2 dernières années, il a cette réponse magnifique, tellement juste au niveau de la révélation. « Pourquoi François aimes-tu tant Noël ?» Il répondait « Parce que Noël m'assure de Pâques. » Voilà. Parce que Noël, parce que le cri des anges, parce que la tendresse de ce couple, l'accueil par des humains du Fils unique de Dieu qui a pris chair, qui s'est incarné, un monde qui est sensible aux souffrances de Dieu à travers ses pauvres, puisque déjà ils lui sont présents par
ce qu'ils vivent, par la tristesse qu'ils expriment, mais jamais n'oublions justement qu'il est né et qu'il a vaincu la mort pour chacun et chacune d'entre nous. Joyeux Noël.